Salut tout le monde! Ah, ma bague. Il est présentement, genre 6h30. Je m'en vais travailler. Puis on a pogné une journée qui neige. Fait que là, Anthony vient de déneiger. Mais vous savez, des fois, les routes quand il neige. Ah, il est même pas nuit, il est 28. Vous savez, les routes, des fois, quand il neige, c'est plein de trafic. Puis tu sais, je travaille comme à 15 minutes. Avec ta lumière, par contre, je vois rien. Ah oh, ouais, on peut faire. Je travaille à 15 minutes d'ici, mais parfois, quand il y a la neige, c'est plus long parce que des fois il y a du trafic. Alors, on se revoit plus loin. Je suis pas maquillée là, mais j'ai mon muffin anglais que je me suis fait. J'ai emporté un plat comme ça, je fais pas de miel. Puis, je vais manger dans l'auto. Ce petit détail est génial quand tu veux te maquiller le matin. Et oui. Prête à travailler? Encore dans l'auto parce qu'il y a full trafic partout, genre c'est plein de trafic là, c'est l'enfer. Mais tu sais, je peux pas, j'ai pas de contrôle sur la situation. Puis je suis partie vraiment en avance, alors je peux rien faire. Écoutez, c'est la vie. Bonne route et on prend un dernier appel, c'est Richard. Oui, bonjour. Oui, salut, M. Arcand. C'est ça, moi je pars de la Valtry. Puis je viens de passer le pont de Charles-de-Gaulle, ça fait 45 minutes que je suis parti. Et vous en allez dans quel coin? Je m'en vais dans le coin d'Anjou. Vous n'êtes pas rendu? Actuellement 20 minutes, mais là je pense que ça va me prendre au moins une heure et demie là, pour faire un bout d'environ 12 km. OK, ben bonne route, monsieur. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Hey, écoutez, tantôt, il y avait quelqu'un qui disait qu'il était parti de Laval à 3h du matin, c'est ça? À 3h du matin pour aller à Sainte-Adèle. Que d'habitude, ça y prend combien de temps? Une demi-heure, qu'il dit? Puis là, ça y a pris 1h30 se rendre au travail. C'est à cause de pas déneiger. À cause de pas déneiger. Hey, c'est fou, là. Il est 7h46, genre, je capote. Je sais jamais été aussi long se rendre à mon travail, là. Ça n'a pas de sens. Puis il fallait que ça soit ma première journée. Mais vous savez quoi? Je suis même pas stressée. Je me dis, il n'y a pas de contrôle là-dessus. J'ai donné d'ordre. Hein? Parce qu'il y en a rien, là. Il dort depuis qu'on est parti. Moi aussi, je vais dormir. Hey, tu conduis. Puis, il dort, mais c'est ça, dans le fond, à partir de fin janvier, là, que la mère Anthony va garder Jaden, parce que Anthony, il a plus de cours, là, il reste 3 examens. Bon, tout le monde, 2 heures plus tard, exactement 2 heures plus tard, je suis encore dans l'auto. C'est full trafic des deux bords. De la crise, pas de trafic, ça. Regardez ma fille! Oh non, elle va faire caca, c'est pas ça que je vais vous montrer. Bon, elle a fait son caca? Oh, elle va revenir. T'es en train de me voir, Jaden? Allô? Allô? Je voulais vous montrer, là. Elle s'était pitchée. Ok, on va la rentrer. Elle s'était pitchée, elle voulait genre jouer dans la neige. Anthony fait mes lunch de demain, puis il est quelle heure, Anthony? Il est 10h. Ouais, je fais ça vite vite, là. Ouais, ça va être bon. Bon matin! Bon matin tout le monde, ça va bien? Et oui, on est le lendemain, je suis désolée, hier j'ai comme pas vlogué. J'étais fatiguée, mais en même temps... Ouais, mais en même temps, tu sais, c'était pas si pire. Comme ma journée là, elle a vraiment bien, vraiment vraiment bien été. Il y en a plein qui m'ont demandé comment ça s'est passé, donc je vous le dis là, là. Ça s'est super bien passé ma journée, pour vrai. J'aime beaucoup mon travail, alors c'est sûr que... Ça paraît, là. Enfin, contrairement à quelqu'un qui aimerait pas son travail, mettons. Mais ça a vraiment bien été. C'était vraiment le fun parce que là, j'étais comme, bon, les patients me reconnaîtront pas. Tu sais, je suis rendue brune. Mais non, en plus, j'avais des patients qui avaient fait. Ben, une patiente en particulier qui avait fait exprès de mettre son rendez-vous, genre la journée de mon retour au travail. Il y a plein de patients comme, qui étaient contents de me revoir. Puis tout ça, fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, c'était une grosse journée, là, c'était une demi à 7, mais c'était une belle journée, tu sais. Même si c'est le fun, comme le dentiste me dit, là, c'est comme si j'étais jamais partie, là. C'est, pour moi aussi, dans ma tête, c'est comme si j'étais jamais partie, là. C'était comme si j'avais travaillé, j'allais dire hier, mais avant hier, comprenez. Ça fait plus qu'un an. Ouais, ça fait plus qu'un an. Ben, ça fait un an. Non, un an parce que c'était le 16 décembre. Fait que, ça a vraiment bien été.
À part le fait que je suis arrivée en retard le matin, mais c'est la vie, là. Écoutez, c'est genre, ça a jamais pris autant de temps à aller à mon travail de ma vie que hier. Fallait que ça tombe hier, puis hier, c'était genre la tempête de neige. Là, aujourd'hui, j'ai pas voulu prendre de chance. On est parti un peu plus tôt. En fait, je me suis réveillée à 5h30. Puis on est parti genre à 6h05. Puis il y a du trafic, mais c'est vraiment moins pire qu'hier. Là. Hier, ça avait pas de sens, ça. Là, aujourd'hui, je vais arriver. Je fais 20 minutes d'avance, là, probablement. Je sais pas, ça dépend. On verra. Mais. Je vais pas prendre de chance. Aujourd'hui, je finis à 8h. Je suis encore enrhumée, là, comme vous pouvez voir. Puis là, Anthony s'en va à Montréal, hein, Anthony? Ça a l'air tellement malheureux. C'est parce que. Aller à Montréal, c'est. Moi, je suis attirée de préfet. Je travaille à Montréal, c'était l'enfer. Ah ouais. Fait qu'il s'en va à Montréal, chez sa mère. Il y a muffin dans le coffre. Mais tu sais, c'est un coffre à air libre, là, on le voit, là. Et pas dans un coffre, là. Non, c'est ça. Juste ouais, c'est ça, tu sais, dans le coffre de notre. Comme les lampes, ouais, juste derrière le banc. Là, on le voit, là, c'est juste là. Puis, j'ai l'aime, là. Fait que, c'est ça. Puis là. Elle est dans une cage. Ouais. Avec ses jeux. Mais elle est bien, avec un. Tu sais, une couverture. Fait que c'est ça, là. Moi, je finis. À 8h ce soir, fait que. On est dans le cas. Ouais, c'est ça. On se reparle plus tard. Présentement, 8h09. Je quitte la clinique. J'ai survécu à 2 12h. 1 12h, 1 13h. En 2 jours. Ouais, fait que là, Anthony m'attend dehors. Alors, je vais y aller. Tout le monde! Je suis dans l'auto. En fait, j'ai pas de cheveux. J'ai des couettes, tous les cheveux défaits. Anthony, t'as passé une belle journée? Comment la tête? Comment ça? C'était la fête à son frère. Ouais, mais il étudie pour un examen à ce moment-là. Je sais pas pourquoi étudier là, mais ça reste quand même. Il y a beaucoup de bruit et tout. Puis je voulais m'occuper du bébé aussi. Quoique ma soeur m'a beaucoup aidé. Ah ouais? Parce que tu es tout le monde. C'est elle qui a donné à manger. Ah ouais? Puis il m'a aidé à changer la couche et tout. Anthony a donné de la lasagne à Jason. Puis. Il n'est pas là. De quoi t'as dit la viande? Quelle viande? La lasagne à la viande. Ah, puis il y a des œufs dedans. J'ai pas donné d'œufs directement, mais il y avait une petite réaction. C'est logique qu'il y avait du jaune un peu partout. Bon. Moi, ouais, mes yeux me brûlent, comme vous pouvez voir. Mais là, c'est normal. Hein. Les lumières, là, ils étaient fortes. Hein. C'est après 24 heures de travail en 2 jours, les yeux, ils brûlent. Parce que, tu sais, il y a les lumières fortes de la salle, puis les lumières dans la bouche du patient. Mes yeux brûlent. Aujourd'hui, j'ai recollé des boîtiers! Ça faisait un bout! Ça a super bien été. Fait que je suis vraiment contente. Ça. C'est des tâches que j'aime faire. Genre. J'aime vraiment ça, genre tout le monde. C'est une belle journée. Très belle journée. C'est une belle journée hier aussi. Je suis vraiment contente. Mais je mérite ma journée de congé de demain. Puis là, j'ai quasiment 26 ans en 2 jours. Ouais, 26 ans en 2 jours. C'est fou, hein? Mais pourtant, je suis pas fatiguée. J'ai juste mal aux yeux. Il est temps que je me repose demain. Je mange dans une assiette en carton parce qu'Anthony m'a ramené ça. Qu'est-ce qu'il y a, tu pas fini? Anthony m'a ramené ça de chez sa mère, la bonne lasagne, un glace salade. Il est présentement 11h quelque chose. Je suis en serviette. Puis là, je viens de se mettre à pleurer. Je me couche. Je suis extrêmement fatiguée. Alors, on se revoit demain. Puis là, je dois uploader mon vidéo de demain. À demain! J'ai plein Anthony. Ouais. Fait que j'ai pris ce autant aussi. Et d'autres comme ça.